Le savoir sauve des vies. Abonne-toi et partage pour alerter un maximum de monde. Ce n'est pas un classement pour te faire peur, mais pour te réveiller. Voici les 10 maladies qui tuent le plus de monde chaque année. Et certaines sont déjà autour de toi. Numéro 10, les maladies tropicales négligées, à savoir leptospirose, dengue, schistosomiase. Des noms méconnus, mais des milliers de morts chaque année. Et souvent, les plus pauvres sont les plus touchés. Numéro 9, les infections résistantes aux antimicrobiens, les superbactéries. Près de 5 millions de décès chaque année liés à la résistance antibiotique. Et d'ici 2050, on parle de 39 millions si rien ne change. Solution, évite l'automédication. Respecte toujours les prescriptions. Les antibiotiques ne sont pas des bonbons. Il est conseillé d'avoir un avis médical avant d'en prendre. Numéro 8, VIH, SIDA. Des progrès, oui. Mais encore 630 000 morts par an. Et les jeunes restent exposés. Numéro 7, le paludisme, malaria. 600 000 décès par an, surtout en Afrique. La prévention a fait chuter les chiffres, mais le moustique reste l'un des plus grands tueurs. Numéro 6, tuberculose. 1 200 000 morts par an, et les formes résistantes inquiètent les médecins du monde entier. Numéro 5, Covid-19. Même si on en parle moins, le virus a tué plus de 8 millions. Et les variants, toujours là. Numéro 4, infection respiratoire basse, pneumonie. Encore trop mortelle, surtout dans les pays pauvres. Enfants, personnes âgées, les plus vulnérables paient le prix. Numéro 3, maladies respiratoires chroniques, BPCO. Souvent liées à la fumée, elles tuent près de 3 millions de personnes chaque année. Et c'est une épidémie silencieuse. Numéro 2, cancer. Près de 10 millions de morts par an. Les plus meurtriers, poumons, foie, sein, tabac, obésité, pollution. Notre mode de vie est devenu cancérigène. Fais-toi dépister. Un diagnostic tôt égale une chance de plus. Numéro 1, incontesté. Les maladies cardiovasculaires, infarctus, AVC, hypertension et autres. Plus de 17 900 000 morts par an. En cause ? Sédentarité, malbouffe, tabac. Ton cœur t'envoie peut-être déjà des signaux. Tu veux vivre longtemps ? Marche 30 minutes aujourd'hui ? Le danger, ce n'est pas seulement ce qu'on voit, c'est ce qu'on ignore. Partage cette vidéo pour informer, pas pour faire peur. Et surtout, abonne-toi. Ici, tu apprends à survivre dans un monde qui ne te dit pas tout.